Je vais essayer de répondre en fait à chaque point, à certains des points qui étaient. Par contre, un petit bémol par rapport à la définition, parce que quand on parle dans la croissance du PIB, en fait, des valeurs des biens et services, en fait, c'est la valorisation des biens et services, c'est la valorisation monétaire. Ce qui fait que quand on a un service qui est public, dans cette valorisation monétaire, en fait, on va avoir le fait de, principalement de payer des gens, en fait, d'acheter du matériel, de recourir, mais il y a une chose qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, ce sont les bénéfices, puisque le but du service public n'est pas de faire des bénéfices. Ce qui fait que pour la croissance, on a intérêt à privatiser. C'est-à-dire que si on veut faire croître le PIB, on va privatiser, ce qui permet de dégager une petite partie en plus, une petite partie de croissance en plus. Parle de 1960-1970, en fait, c'est pas du tout un hasard, puisque c'est à peu près l'époque où on a dépassé ce que, par rapport au nombre d'habitants, on pouvait consommer. C'est à peu près vers cette époque qu'on a commencé à consommer plus que ce que la planète peut supporter, à deux niveaux. Au niveau de ce qu'on extrayait et consommait pour nous, à partir des années 60-70, en fait, on n'a plus assez de ressources sur Terre pour que tout le monde puisse faire la même chose, et par rapport à ce que la planète peut assimiler. La planète ne peut plus, à partir des années 60-70, assimiler ce qu'on produit comme déchets, en fait, si tout le monde produit est sur le même niveau de vie. Récession, décroissance. Quand on dit qu'effectivement, on est des gens décroissance parce qu'on a récession. Justement, non. Parce que la récession, c'est quand la croissance ne marche plus, quand un système orienté et devant fonctionner avec de la croissance ne marche plus. La décroissance, c'est se dire qu'on doit avoir un système qui doit marcher sans la croissance du PIB. Chômage, pauvreté. Chômage, pauvreté, on l'a effectivement quand on est en récession, mais je pense que tout le monde ici le sait, on l'a aussi quand on est en croissance. C'est le principe même de la croissance, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Croissance, moteur de l'économie. Eh bien, malheureusement, c'est justement... Enfin oui, c'est ça, croissance, moteur de l'économie, avec un point d'interrogation. Voilà. Est-ce que c'est ça le moteur de l'économie? Donc justement, c'est ça que je dénonce quand je suis pour la décroissance du PIB, c'est que là, depuis les années 70, on a transformé en fait notre système monétaire de sorte que maintenant la croissance est nécessaire effectivement comme moteur de l'économie. Je parle de croissance du PIB. Et ça, pour juste une seule chose, c'est la création monétaire. Puisque c'est dans les années 70 que notre cher président Giscard a fait en sorte que la Banque centrale ne prête plus directement à l'État, mais que l'État doit passer par une banque autre que la Banque centrale et avec des intérêts. Or, maintenant, on a toute la masse monétaire qui est créée comme ça, qui est créée par l'emprunt. Ça veut dire quand on contracte un emprunt, quand une société contracte un emprunt, quand un État contracte un emprunt, il ne va pas emprunter de l'argent qui existe dans la banque. On ne va pas rentrer sur le mécanisme, parce qu'il y a quand même une toute petite réserve qui doit exister pour que la banque puisse être là. Mais la grosse masse de l'argent, c'est juste de la confiance dans la personne qui emprunte. C'est-à-dire que le rôle de la banque, c'est de s'assurer que la personne qui emprunte a la capacité, plus tard, de rembourser. En signant, en fait, un prêt, on crée cet argent. Pour être exact, c'est la banque qui crée cet argent. C'est-à-dire que la banque va juste pouvoir indiquer à la banque centrale, ben voilà, j'ai prêté un million, et donc j'ai au moins un million. Ouais, la personne a un million, et donc on a sur le marché un million de plus. Mais cet argent n'existait pas avant. Donc on comprend bien qu'à partir du moment où il y a des intérêts, que tout l'argent provient de cette source, pour pouvoir rembourser la banque, il va falloir rembourser ce million, plus un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, puisque la création monétaire passe par là, on ne peut l'obtenir globalement que par l'emprunt. Juste aucune autre solution. Gain de productivité croissant.
Là, c'était pour dans le discours, c'était entre est-ce que la croissance est le moteur de l'économie? Non, c'est les gains, ce sont les gains de productivité croissants. Donc, gains de productivité, je trouve ça génial, personnellement. Je trouve ça génial de progresser et de pouvoir produire plus avec moins. C'est ça, un gain de productivité, donc ça, surtout pas l'enlever, c'est parfait. Et quand on dit que le temps de travail a diminué, moi j'aime bien me référer à un ultra-gauchiste très connu, M. Raymond Barre. C'était il y a à peu près une vingtaine d'années, même, où il s'est amusé à faire le calcul entre. Il était parti sur les 20 années précédentes, en fait, et il avait fait le calcul simplement sur les gains de productivité. Et au lieu d'avoir une répartition qui est majoritairement sur les bénéfices, avoir une répartition qui serait divisée en deux entre temps de travail et bénéfices. Et là, il en était arrivé, je sais que c'est vraiment un ultra-gauchiste, il en est arrivé à 20 heures de travail par semaine. C'était il y a 20 heures. Moi, mon propos, c'est de parler de 10 heures de travail par semaine. Si je parle de 10 heures de travail par semaine, c'est juste parce qu'on est à peu près à 4 planètes actuellement. Français. Ça veut dire que, grosso modo, on travaille trop. Parce qu'on travaille de sorte à consommer 4 planètes. Donc, il me semble raisonnable de se dire qu'on ne devrait travailler que 10 heures. Et 10 heures ? Évidemment, on a sans doute un peu moins de biens matériels, un peu moins d'énergie, et du coup, on a plus de temps. Qu'est-ce qu'effectivement on cherche ? On cherche à travailler toujours plus, à avoir toujours plus de biens matériels, ou on cherche à redevenir humain, à avoir plus de temps pour faire ce genre de soirée sympathique, pour discuter, pour voir sa famille, pour être humain tout simplement. Et c'est là, en fait, la limite à la croissance pour moi. La limite à la croissance, indépendamment même de la planète, de la finitude de tout, c'est nous, c'est notre bonheur. C'est là, cette croissance, où elle en est arrivée, est-ce qu'elle me rend heureux ? Est-ce que je suis heureux de me battre en permanence pour la compétitivité, d'être plus fort que mon voisin, d'avoir toujours envie d'une nouvelle chose. En fait, on est en permanence sur la frustration. Et c'est un des moyens qu'on a pour maintenir la croissance, la frustration. On nous entretient en permanence dans la frustration, c'est-à-dire qu'on nous demande en permanence quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Tout ça pour alimenter effectivement la croissance. Parce que si on n'a pas la frustration, si on se sent bien, on n'a pas besoin de plus. On a besoin de plus quand, effectivement, on a une frustration et quelque chose qui nous manque. Et c'est un des problèmes qu'on a sur notre politique de croissance, c'est que du coup, on est inefficace. Et l'intérêt de l'économie, du PIB, est qu'on soit inefficace. Plus effectivement on va dépenser de matière et d'énergie pour faire quelque chose, plus on va faire augmenter le PIB. Du coup, sur quoi on va pouvoir jouer ? Effectivement, on va pouvoir jouer sur les salaires, sur l'emploi, voilà, et on va voir, surtout avec les néolibéraux, bien sûr pas avec les socialistes, mais surtout avec les néolibéraux, l'idée que le salaire c'est une charge, chose qui est relativement aberrante. Enfin, on ne va pas contredire ça, mais pour moi, le salaire n'a en rien une charge. À l'échelle de la planète, besoin non satisfait. Je suis à 100% d'accord. Parce qu'en plus d'être pour la décroissance du PIB, je peux aussi être mondialiste. Pour moi, il faut qu'on partage. Et pour pouvoir partager, je ne vois pas comment on peut réussir à le faire si on n'entre pas. En fait, si on n'adopte pas des attitudes décroissantes. Parce que si on regarde tout simplement les matières et l'énergie disponibles, et qu'on regarde le nombre de personnes sur la planète, on est à peu près à 20 mètres carrés par personne en possibilité de construire, chauffer ou refroidir en fait des habitations ou de travail. C'est à peu près ça auquel on a le droit en fait, sur une planète. Nous, on n'est pas du tout sur ça, concrètement. Donc si on n'accepte pas de diminuer un peu nos modes de vie, voilà, de ne pas toujours chercher à avoir une plus grande maison, on n'arrivera pas à partager. Et là, c'est même plus de l'économie, c'est juste de la limite physique. On ne va pas avoir assez de matière et d'énergie pour produire pour tout le monde la même chose. Pour la
la santé, effectivement, pour moi, on est vraiment sur la caricature de ce qu'entraîne le besoin de croissance. Pour la tarification à l'acte, bon, en trois mots, c'est juste l'idée que le budget des hôpitaux ne va plus être global, il va dépendre des actes que les hôpitaux en fait, fournissent aux usagers. On va donner pour chaque acte un tarif. Et l'hôpital pourra effectivement avoir un budget qui va être calculé chaque année en fonction des actes qui ont été donnés l'année précédente. Le problème, c'est que forcément, si on donne un tarif, il va y avoir des actes qui vont être bénéficiaires et des actes qui vont être déficitaires. L'hôpital a l'obligation d'assurer tous les actes, heureusement. Donc il ne va pas pouvoir. Et on comprend tout de suite que là, du coup, c'est intéressant pour les cliniques. Parce que les cliniques, elles, n'ont pas l'obligation de fournir tous les actes de soins possibles. Donc elles vont se concentrer sur les actes bénéficiaires. À quoi ça sert comme ainsi de favoriser les cliniques? Ça sert directement à la croissance, puisque là, effectivement, on valorise avec l'hôpital les salaires, le matériel, l'énergie, etc. Mais ce qu'on ne valorise pas, puisqu'il n'existe pas, ce sont les bénéfices. Donc en passant, en faisant la tarification à l'acte qui aide directement les cliniques, on se retrouve à augmenter le PIB, puisqu'il y a le bénéfice qui arrive en plus. Démocratie représentative. Ça, j'adore. C'est-à-dire que un des problèmes qu'on a avec la croissance, et là c'est plus global puisqu'on s'éloigne un peu, c'est à chaque fois pour moi la centralisation. Ah oui, voilà, j'avais oublié, je l'avais noté, on a parlé d'Internet. Internet, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'armée américaine qui se rend compte qu'en cas de guerre nucléaire, elle se trouve mal face à l'URSS, puisque la manière dont leur réseau est mis en place, en fait, c'est centralisé, c'est-à-dire que tous les messages doivent passer d'un centre, doivent passer sur un centre, doivent repartir sur un autre. Donc, tu le centre, c'est fini. Donc, les Américains créent ARPANET. Donc, un nouveau protocole de communication qui ne définit pas la route qu'il va suivre au départ, qui va se déplacer de centre en centre, de proche en proche. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mode de communication décentralisé. Quand vous envoyez un message sur Internet, vous êtes sûr qu'il va arriver, mais vous ne savez absolument pas quel chemin il va. On a un petit exemple à suivre sur ça. C'est qu'on a sur l'idée que finalement, la centralisation excessive, c'est aussi une faiblesse. Et puis, justement, pour la démocratie représentative, pour moi, un des problèmes, et pour tous les pouvoirs en général, un des problèmes, c'est la centralisation du pouvoir. De la même façon pour le PIB, c'est que là, on a centralisé tous les pouvoirs sur les banques. Énergie solaire inépuisable. Il y a des énergies inépuisables. Ça, dans les années 70, il aurait fallu qu'on aille à fond sur ça. Mais on a continué à augmenter nos consommations et nos besoins. Ce qui fait que ce que peuvent produire ces énergies inépuisables est sans rapport avec ce qu'on consomme. Le scénario le plus plausible, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le scénario négawatt, en fait, vous allez voir. C'est grosso modo, en caricaturant, on a besoin d'un tiers d'économie, d'un tiers d'efficacité, et le reste, effectivement, on peut envisager de le faire en renouvelable. Mais c'est tout, parce qu'il n'y a pas d'énergie gratuite. Même un capteur solaire, il faut le fabriquer, ça demande de l'énergie. Après, il va polluer éventuellement, mais si on s'améliore et tout, il n'y a pas d'énergie gratuite. Donc, même sur de l'énergie renouvelable, ça coûte. Aussi à la planète, de toute façon, on ne peut pas là, actuellement, dans l'état en fait des connaissances scientifiques, envisager avoir les mêmes consommations qu'aujourd'hui en étant renouvelable et puis durable. Durable. Donc justement, développement durable. En fait, pour la traduction, tous les écolos, on est allé à fond sur le développement durable, on était contents. Moi, en 2007, en fait, c'est la dernière fois, je crois, en 2007, j'étais arrosé au Conseil économique et social communal. J'avais été animateur pour un truc pour justement voir comment on pouvait aider à populariser le développement durable et tout. Et bien, maintenant, j'y crois juste plus. Donc, déjà, en fait, comme vous venez de le dire, c'est soutenable. Le bon terme, en fait. Et dès qu'on est sur durable, on a l'impression de quelque chose qui va
qui risque de continuer. Soutenable, on est sur l'idée que ben, on regarde ce qui va se passer et ce développement, il peut aussi descendre, il peut aussi monter, il peut fluctuer en fait sur ça. Indicateur. Et alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec mes copains politiques en règle générale, qui effectivement sont à fond sur les nouveaux indicateurs de richesse et tout ça. Ça, c'est lié à deux choses. Un, à mon boulot, donc en tant que technologie, je fais des chiffres. Voilà. Et je vois comment ils sont utilisés et interprétés. C'est-à-dire que les chiffres, les indicateurs, quels qu'ils soient,